Ce sont au total 15 023 personnes impactées par la construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Si 12 527 d'entre elles ont été reçues en séance de négociation, 11 174 ont signé le certificat de compensation, dont 9 552 personnes ont été payées. À ce jour, 2 496 personnes restent introuvables. Ces chiffres émanent du point de presse animé vendredi 9 juin par le comité de suivi du plan d'action de réinstallation des impactés du métro d'Abidjan. Aujourd'hui où nous parlons, nous avons démoli 4 099 bâtis, soit environ 97% de travail. Donc il reste maintenant à peine 3% des bâtis encore à libérer. L'objectif du point de presse était d'informer les médias sur l'état d'avancement du processus de libération des emprises, mais surtout annoncer les prochaines étapes et les mesures à venir pour la réalisation du projet. Alors sur le terrain, ce qu'on verra comme présence du métro dans la ville, ce sera 18 gares qui sont réparties donc depuis Agnaman jusqu'à Port-Boué. Tout le monde les verra. Et il y aura 36 quais à raison de 2 par station. Donc 18 plus 2, ça fait 36. Donc un quai aller, un quai retour. Il y aura 28 ponts route et ponts rail, c'est-à-dire des ponts donc, qui permettent, là où la route et le métro se croisent, donc le pont route surplombe le métro. Le bilan est spécifiquement axé sur le processus d'indemnisation et de libération des emprises de la ligne 1 du métro d'Abidjan dans les 8 communes traversées par le tracé, à savoir Adiama, Abobo, Adjamé, Atekoubé, Plateau, Trècheville, Marcory et Port-Boué.